Bonjour tout le monde, nouveau tutoriel sur le MiG-19. Cette fois-ci, on va passer à la radio-navigation. Donc, je suis en pause active, c'est-à-dire que je peux faire tout tourne, bouge autour de moi, sauf mon appareil. Je peux également mettre les gaz à zéro, ça pose aucun souci. Donc, la radio-navigation dans le MiG-19 se fait via les petites balises que l'on voit ici. Par exemple, ici 525, ici il y en a une autre, 430. Étonnamment, quand vous êtes en vue en éditeur de carte, il semble y avoir beaucoup plus de balises que ça. Donc, ici on va aller sur la 525. Pour régler la radio-navigation, il y a deux endroits que vous pouvez utiliser. Il y a un premier endroit pour tourner ici et que vous retrouvez également là. Ici. Il va falloir utiliser, en fait, vous avez deux fréquences que vous pouvez régler, le phare et le near. Le phare sera, je crois, de ce côté-ci et le near de l'autre côté. De toute façon, quand l'un est actif, l'autre ne peut pas bouger. Donc, pour activer la radio-navigation, déjà, on va passer en compas. Ça ne fonctionne pas, vous voyez, on ne peut pas le bouger. Je ne peux pas le bouger, donc c'est pas en compas, c'est en antenne. Là, je peux pas. Là, je peux. Donc, nous, on a dit que la balise était à... D'accord, ils peuvent pas faire... 525. Ouais, 525. Donc, la balise est à 525. Je suis sur le côté gauche en phare. On va régler. Attention, là, il va falloir tourner ici au niveau du tuning. Le truc est extrêmement lent à tourner. Alors, non, 525, on l'a dit. Donc je passe au truc suivant. Ça commence au 630. On tourne vers le bas. Donc le milieu est ici. Donc on va régler. 520. 530, là je suis bon. J'ai bien la réception. A priori, il y a une portée de 200 km sans obstacle. Ensuite, pour que cela fonctionne, il va falloir que je passe en compas. Vous pensez à compas. Et donc, ça va être la flèche ici qui va être dans le sens. Donc là, je suis à peu près en cap 0. J'ai dit... Ouais. Non, cap 300, excusez-moi. Est-ce qu'on est bon? Alors, c'est cap 112. Ah, mais attendez, je suis nul. La flèche, elle est là. Là, c'était le cul, donc la flèche est vers le haut. Donc 90, 100, 110, 112, oui. C'est pile poil ça. Cap 112. Voilà, alors pour l'instant j'ai pas trouvé d'endroit qui vous donne la distance comme sur le MiG-21. J'ai peut-être là, je vous avoue que je ne sais pas du tout. Je préfère pas vous dire de conneries, ça sera normalement, je pense qu'il y a quelque chose de distance. Je préfère pas vous donner dire de bêtises, donc allez voir dans le manuel, mais au moins déjà vous savez comment régler la radio-navigation, ce qui permet de se démerder. On va s'arrêter là du coup pour ce tuto sur la radio-navigation. J'espère qu'il n'aura pas été trop rapide, mais en même temps il n'y a pas grand chose à dire actuellement. Puis ça reste un truc classique. Hein. Et donc, je vous dis la suite pour le prochain tuto et on va être sur l'utilisation du radar. Salut tout le monde!